Putain, merde. Dis, Christian, t'as passé en couple à côté? Ils sont en couple. Je suis encore de père. Bah ouais, tu perds tout le temps. Ça fait pour père, là, ça. Ben voilà. On est le 6 mai aujourd'hui. Ouais, oui, on est le 6 mai. Et après deux journées de tourisme, on va quand même aller à l'Olimpinski, voir un peu ce qui se passe. Et on a quand même une bonne nouvelle, il faut bien le dire, on nous a appelé pour nous dire que pour le chat c'était réglé. Donc voilà, super bonne nouvelle. Il faut quand même bien dire aussi que l'équipe technique est assez incroyable parce qu'ils filment des répètes là pendant 12 heures par jour. Et ils ont quand même réussi à trouver le temps de s'arranger et de régler ce petit malentendu. Et donc le chat sera dans les écrans, voilà. Je dis que c'est une belle performance de l'équipe technique et je dis chapeau. Allons-y. Ah ben voilà, juste avant Patrick et Hélène qui reviennent de leur petit trip à Saint-Pétersbourg et qui sortent de leur train directement à l'hôtel. C'est déjà mieux maintenant, donc ça va revenir, c'est bon. Hier j'étais à Faune complètement. Alors Patrick, hier que tu parlais, comment c'était? Eh bien c'était fabuleux. Il a les cartes postales de Saint-Pétersbourg, la plus belle ville de Russie, je pense. Oui. Splendide. On a vu des Léonard de Vinci au musée. On a vu tellement de choses quelques jours. Waouh. Wow. Hier soir. Extraordinaire. Et on a fait deux concerts d'hystérie complète. C'est vrai, les concerts étaient bien, ouais. Putain, les gens devenaient fous, quoi. Dingue. Hurler. Hier, on a joué dans un truc mais de fou. Quoi. Le meilleur concert, je crois, que j'ai fait de l'année, quoi. Ouais, truc de dingue. Et ouais, rien à dire. Ouais, voilà, quoi. Énorme, quoi. Et maintenant, ils attendent plus qu'on passe en finale pour voter pour nous, quoi. La fièvre. Eh ouais. Bon, je suis un peu malade, mais j'ai attrapé la grippe. Soigner, la voix, mais c'est... Mais ouais, mais voilà. Bon, ouais. J'ai attrapé la grippe, quoi. J'espère que c'est pas la mexicaine. Sinon, je suis mort demain. Et voilà. Faut rester positif, hein. Bah ouais. Si vous voyez pas demain, c'est que je suis mort, la grippe mexicaine. Par contre, tu veux pas de l'aspirine ou des trucs comme ça? Non, il a acheté. J'ai ce qu'il faut, des antiseptiques pour Mais c'est mieux. Hier, c'était grave. Rien, j'ai pas chanté. En fait, hier, c'est mon batteur Queen qui a chanté à ma place. C'est vrai? Ouais, ouais, il a pas chanté. Que ça fait, quoi. Il a rien fait. Juste guitare. Céline Dion fait la même chose. Ouais, elle est habillée comme lui aussi. Regarde-moi, je suis le cochard. Regarde. Mais ouais, mais bon. Il n'a pas pris le vêtement avec de rechange, lui. Ça fait trois jours qu'il est le même vêtement. C'est vrai, ouais. Deux jours. Eh ben. On dit les paillettes, tout ça, mais en fin de compte. Ah ben, la délégation belge, c'est une vraie. Ça, c'est des vrais, mon ami. C'est rock'n'roll jusqu'au bout des ongles. On a, ouais. Dit, par contre, j'ai lu dans un journal à Saint-Pétersbourg que le Bélarus a fait une plainte à l'Eurovision. Ah bon? Ils sont restés coincés trois heures pour les passeports. Enfin, pour les passes. Ouais, ouais. En fait. Ah oui? Ouais, j'ai vu ça hier. Et t'as lu ça dans quoi? Un journal. Ah oui? I'm gonna take a bath, keep me high.
towards the center. This is where you can make free phone calls to the Philippines, to Jordan, to anywhere you like. Je suis guide de Moscou. J'espère bien tout le monde me comprend. Parce que ce matin, j'ai travaillé avec les Roumains. Ah, ok. Il y avait trois personnes qui parlaient un peu français, les autres pas du tout. Pas du tout. C'était un peu compliqué. Non, ici, on vous comprend très bien. Très bien. Pas de flamand. Il y en a un, mais il n'est pas là. Si, il y en a un. Mais il parle français. Il parle français. La superficie de Moscou, 1080,47 km², c'est-à-dire l'étendue de Moscou du nord au sud, et on est au nord de la capitale, et 35 km de l'ouest à l'est, et 28 km. Et la population de la ville est 10 400 000 habitants, sans compter les banlieues. Les embouteillages sont partout et du matin au soir. Il est très difficile même de parler des heures de pointe parce qu'il commence à partir, je ne sais pas, de 8h du matin. For me, 19, please. 19 is this, huh? Okay? Le 16 et le 20. Et un Coca-Cola. Eh bien voilà. Eh bien, au revoir. Dors bien. Hein. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit, Len. Merci. Bonne douche.